Aujourd'hui, je teste pour vous des goodies de magazine dans ce paysage merveilleux. Coucou les Silver, c'est dans ce cadre magnifique à Antibes que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Alors on va avoir le bruit des vagues, mais j'espère que vous m'entendrez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mon retour sur 4 goodies qu'on achète avec les magazines. Alors les goodies de magazine, c'est ce qu'on trouve parfois payant en plus du magazine, parfois offert avec le magazine. Donc là, j'en ai acheté 4 et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors le premier goodie, c'est cette pochette, goodie parce que goodie c'est au pluriel, c'est cette pochette Sonia Riquiel que j'ai trouvée très sympathique. Alors je l'ai eu avec le magazine Marie-Claire, je l'ai payé 2,70€ en plus du magazine. Alors vous savez que moi les pochettes j'en suis dingue, ça sert toujours, celle-là est très sympa, rien à dire. 2,70€ pour une jolie pochette, c'est pas cher. Deuxième goodie, je l'ai eu avec Marie-Claire. Il s'agit d'un produit Garancia, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est ce produit-là, c'est la pâte du marabout qui est dans la collection sulfureuse. C'est une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection. Alors je l'ai essayé, c'est une pâte qui est très facile à appliquer, qui va très très bien nettoyer la peau. Juste un petit bémol, même si c'est bien camouflé, on sent quand même cette odeur de soufre derrière. Bon, c'est pas violent, c'est pas gênant, c'est bien camouflé. Mais voilà, c'est le seul bémol. Sinon, c'est une pâte qui nettoie très très bien la peau et que je vous conseille. Et là, c'était en cadeau avec le magazine. Le troisième goodie, c'est avec Madame Figaro Magazine. Il s'agit de ça. C'est un produit Ritual. Alors, j'adore les produits Rituals. Il s'agit d'une mousse de douche. En fait, lorsque vous l'appliquez, c'est un gel qui devient mousse, qui est parfumé. Et là, je l'ai payé 3,70€ en plus du magazine. Quand on connaît les produits Rituals, on sait que 3,70€ pour un 50 ml pour ce gel moussant pour la douche, c'est vraiment pas cher. J'adore. Quand on l'applique, c'est un gel et rapidement, ça devient de la mousse. Petit conseil, n'en mettez pas trop parce que rapidement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mousse. Alors, ça existe aussi dans d'autres parfums. Là, avec le magazine, le seul parfum qui est proposé, c'est celui-là. C'est Ritual of Ayurveda. Sinon, en goodie, vous allez aussi trouver une crème pour le corps. Moi, j'ai préféré le gel douche, mais sachez qu'il existe aussi, pour le même prix, une crème pour le corps. Dernier goodie, c'est avec le magazine Elle que je l'ai eu. Il était gratuit, donc c'est important de le signaler. Et il s'agit de ce produit de chez Fresh. Il s'agit d'un gel nettoyant au soja. Il est génial. Je l'ai testé, il est vraiment super. Il nettoie très très bien la peau. C'est un gel démaquillant pour le visage qui nettoie très très bien la peau et il est pour tout type de peau. Alors que vous dire sur ces goodies? Alors moi j'aime bien acheter les magazines avec les goodies. Je préfère bien entendu lorsque les goodies sont gratuits. Mais parfois on a de belles surprises comme ici avec Ritual. Avec par exemple ce gel mousse pour la douche qui coûtait 3,70€ mais ça valait. Alors je ne sais pas si vous achetez vous aussi des magazines avec des goodies. Moi je trouve que c'est parfois très très intéressant. Ça permet aussi d'essayer des produits pour pas très cher. C'était une toute petite vidéo. Je voulais vous parler de ces goodies qui viennent de sortir avec les magazines les plus récents et vous faire profiter de ce magnifique panorama derrière moi. Je vais vous mettre quelques images après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez essayé les goodies ici dans les commentaires. Je crois que dans 5 minutes, je vais me faire mouiller. La mer est en train de monter. Abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse en image avec ce magnifique paysage. Ciao! Alors, on est sur le port d'Antibes, vous connaissez déjà. Mais regardez ce qu'on voit au fond, la neige. Voilà pourquoi ça s'appelle les Alpes maritimes.